Concernant la question insécurité, Jamaïque prêt pour le voyer soldats et policiers en Haïti et pour aider Haïti sorti dans chaos côté plongé. Déclaration premier ministre jamaïcain fait devant parlement la Kaili, il fait qu'on est gouvernement non prêt et Jamaïque c'est un pays voisin et pour le voyer soldats et policiers en Haïti dans cadre un projet multinational pour ta déployer force internationale pour venir aider Haïti dans question sécurité. Annonce arrivée une semaine après envoyé spécial Nations Unies en Haïti, Hélène Lalim te déclaré devant Conseil sécurité Nations Unies, il espérait Conseil sécurité a traité de façon positive demande gouvernement haïtien te fait depuis le mois octobre qui mandait pour envoyer militaire international débarquer dans pays d'Haïti, bien que États-Unis à Canada et pas manifesté aucun intérêt après intervention Lalim non. Et premier ministre jamaïcain Andrew Holness déclaré avant-hier devant le parlement la Kaili, lui souhaitait rider Haïti et lui souhaitait soutenir Haïti pour Haïti ta retourner non niveau raisonnable dans ça qui concerne stabilité et la paix et qui t'a nécessaire pour tout processus démocratique qui pas mettre personne dehors et c'est là problème dans sorti d'après ça le fait qu'on est. Alors pour permettre que pays a ka reprendre cap li. Et premier ministre haïtien de facto Ariel Henry avec l'autre responsable et à tout gouvernement non était écrit officiellement pour demander débarquement militaire étranger dans pays dans mois octobre et mais jusqu'à présent ça pourquoi tout non réalité non contexte côté date ça c'est chef gang G9 lan qui était prend pays en otage. Il était privé pays a de gaz, on connaît tout ça t'après permettre Ariel Henry augmenter prix gaz non qui vini comme nous connaît fait haïtien vin pipov et donc les barbecue te kembe côté terminal gaz non en otage pendant plusieurs semaines et bien ça t'est fini par mettre Haïti dans point côté nous connaît la plongée descendre dans plus bas encore. Secrétaire général Nations Unies, Portugais Antonio Guterres, ensemble avec Lalim, ont appuyé des massas, mais jusqu'à présent, aucun résultat. Conseil de sécurité Nations Unies, était dit la pétudie, demande pour voyer force internationale débarquer dans le pays, hein, mais il n'a pas pris aucune décision jusqu'à présent. Il était préféré prendre sanction contre le chef gang G9, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, et un chef gang tout puissant, et l'elle mettait pays à genoux qui c'est un ancien policier et a accusé d'après avoir plusieurs organisations qui défendent droit monde et même Nations Unies d'après avoir impliqué dans plusieurs massacres sous population. Entre-temps, Holness, le premier ministre jamaïcain, fait qu'on est pays prêt pour bail Haïti et un appui bilatéral pays à pays voisin si nécessaire. Nous espérons vraiment pays d'Haïti est capable avant longtemps faire face à toute difficulté la pour rencontrer journée jeudi à sous route li et pour l'engager dans une route qui a permettre de rejoindre stabilité un paix tout bon qui a duré et un développement tout bon tout et pour peuple li avec appui toute communauté internationale là d'après sa premier ministre jamaïcain fait connaître un porte-parole Nations Unies presse internationale là demandé pour réagir après message premier ministre jamaïcain et eh bien il est pas disponible pour te faire commentaire pourquoi il est là. Jamaïque, membre CARICOM, Haïti la donne, dépêche qualifié de bloc commercial et qui publié semaine passée une déclaration côté l'exhorter toute partie qui concerne yo dans pays d'Haïti pour remettre yo ensemble pour yo capable de joindre un accord dans consensus pour résoudre problème pays d'Haïti. Ça yo relé yon impasse politique qui a prolongé en Haïti et yo prêt pour organiser une réunion sous dossier Haïti a et même pays caraïbes pour discuter sur question ça. Haïti et pas gain quelle institution démocratique qui a fonctionné encore. 10 derniers sénateurs qui étaient élus nous connaît depuis notre deuxième lundi mois de janvier, yo pas capable continuer encore bien que une discussion sur ça mandat était fini depuis l'année passée selon plusieurs et voix qui étaient levées mais ils étaient dit c'était année ça. Bref, premier ministre de facto Ariel Henry promet pour organiser élection générale. Depuis plus que un an, il est sous pouvoir. L'idée année 2023 sont année élection, mais nous guettons le mois janvier qui sorti dans 12 mois, c'est 11 qui était. Mais pourquoi grand conseil électoral provisoire jusqu'à présent pointé tête li, selon pile critique,
qui croit son dictature de facto de préférence, Ariel Henry a battu pour le tablier dans le pays. Haïti tout a fait face à deux niveaux de violence pays à pas jamais. Et bon, après assassinat de Jovenel Moïse, la Kaili, dans le mois de juillet 2021, situation est plus grave. Gang yo pratiquement a contrôlé 60% dans le territoire capital la Port-au-Prince, selon des pêches. Non. Et valeur kidnapping yo augmenté. Yo sorti 1359 année passée, yo doublé pour année 2022 et crime et yo augmenté pour arriver jusqu'à 2183 selon chiffres Nations Unies. Gang yo yo accusé tout d'après avoir yo assassiné plusieurs policiers et dans commencement année 2023. La police nationale pays d'Haïti selon des pêches, a gagné moins que 9000 policiers qui actifs, mais nous connaissons police de presque 15000 membres. Et pays ça qui gagne 11 à 12 millions de monde qui vivent là-dedans a fait face non seulement à violence gang armée criminelle yo, mais tout à situation la misère qui vient augmenter plus épidémie choléra. Mais heureusement sans gestion fin connaît et choléra l'a baissé dans série de zones. Dans actualité internationale là, premier coup de pied nous a mené dans pays la Russie. Côté Vladimir Poutine célébré journée jeudi à victoire Union soviétique te remporté dans bataille Stalingrad là gain 80 l'année et tout profiter pour montrer la Russie toujours menacée en bas zam pays l'Allemagne data étape combattre l'Allemagne nazie Hitler et il profiter d'y rapprocher deux périodes de 80 ans séparées. Vladimir Poutine choisit moment historique ça dans histoire peuple russe et pour voyon pinga dans dossier Ukraine nan, par rapport à pays occidental yo qui rassemble derrière Ukraine li di yo pa jamais déposer les armes yo même Russie et y a répondre top pour top d'après ça le fait connait sous côté 80e anniversaire victoire la Russie dans bataille Stalingrad là qui était déterminant pendant deuxième guerre mondiale là pour te mettre deux Hitler à terre et président russe là affirmé pays une autre fois encore en bas menace char allemand yo. Il t'a fait référence bien sûr le fait que l'Allemagne pour aller bail Ukraine char léopard yo. Donc il fait un raccourci très dangereux concernant deux périodes historiques ça yo. Après promesse nous connaît Berlin en bas pression finalement t'est fait pour bail Kiev zam ça dans cadre la guerre Vladimir Poutine déclenché pour aller un an dans pays Ukraine et après ça il fait un parallèle entre la guerre yo te mené contre Hitler ak offensive yo fait journée jodi a yo même la Russie dans pays Ukraine d'ailleurs qualifié de néo-nazi. C'est incroyable mais nous est char allemand léopard a menacé nous l'autre fois encore d'après ça le dit même j'ai été menacé il y a 80 années et nous t'ai battu nous t'ai remporté la victoire sous yo et dit préciser pays gain de quoi pour répondre yo d'après ça le fait connaître tout le monde qui a menacé la Russie. Il y a besoin d'axo grenio selon Vladimir Poutine. Dirigeant russe promettre peuple russe il a remporté la victoire dans dossier Ukraine non. Volonté pour nous aller jouk nan bout là et pour nous faire impossible nous non non la vérité li toujours là toujours dans sans peuple ça et peuple russe qui sont peuple multinational. Il a parlé de fédération façon pour montrer Ukraine fait partie et encore de fédération même si elle prend indépendance. Il dit son peuple multinational, plusieurs nations qui forment. La Russie gain confiance dans tête li et li droite dans ça l'a fait et l'a remporté la victoire. Donc il parlait comme si une soviétique pas craser, là l'a parlé de Ukraine et bon côté pas Kremlin qui c'est pouvoir et il a appelé la Russie a utilisé tout ça gain comme potentiel pour porter réponse bay pays occidental qui campait derrière Ukraine qui a bali une série de gros armes pour capable affronter la Russie. Les armes ça yo a reparaître encore les fin bayo tout collectif occidental là mais la Russie a utilisé tout potentiel li gain de façon totale capitale pour porter réponse bayo là va fin livrer armes ça il a parlé de char blindé et gros char lourd et plusieurs pays occidentaux pour aller bailler plusieurs bataillons même yo pour aller bailler Ukraine dans cadre de la guerre ça et c'est porte-parole Kremlin Dmitri Peskov qui fait déclaration ça Moscou longe doit tout sous visite ou sous la von der Leyen qui c'est une allemande
qui président la Commission européenne, nan, a fait un moment, on a parlé là même, dans le pays Ukraine. Et côté que yo fait connaître, et al président et Commission européenne qui sont allemands, li aller dans Kiev pour faire un sommet qu'a fait demain vendredi Ursula von der Leyen et li pral et réassurer Ukraine de tout appui Union européenne non li avec les chefs diplomatie européenne non et qui c'est Joseph Borrell qui sont espagnols et puis 14 autres membres et plusieurs commissaires qui dans collège européen hein? Yo pral rencontrer à collègue dans gouvernement ukrainien demain et affirmer et ça fait nous content pile pour nous retourner à Kiev et quatrième fois et depuis la Russie envahi Ukraine et von der Leyen vini dans capitale pays Ukraine non et fois ça avec moi vini avec toute équipe moi à tout commissaire d'après ça le fait connaître une visite qui pas entrer dans sentiment Moscou bien entendu chef diplomatie russe non Sergei Lavrov accusé européen d'après avoir yo voulé pour mettre fin pour finir avec la Russie la palais de Ursula von der Leyen. Il fait qu'on est, il déclarait résultat la guerre, c'est défaite la Russie le doué. Et Jean de déclaration ça yo et yo t'attendait déjà d'après ça le fait qu'on est il y a plusieurs décennies d'après ça le regrette. Eh bien est-ce que c'est pas racisme? Est-ce que c'est pas nazisme? Est-ce que c'est pas une tentative pour résoudre question russe là? Et sa chef diplomatie russe l'a posé comme question. Et journée jeudi, tu as fait référence, bien sûr, à solution finale et concernant le peuple juif, là, dans la période et l'Allemagne nazie, Hitler. Sergei Lavrov allait juste pour le cas pays occidental, yo, et il pas même écarté possibilité pour pas utiliser chambre à gaz, mais il a fait tout ça au connaît et pour la Russie disparaître en tant que puissance. Vladimir Poutine, pas suspendre accusé Ukraine que son pays nazi que lié et néo-nazi et occident en complicité avec elle pour justifier l'invasion li fait dans pays Ukraine. Moscou répétait encore la dénazifier Ukraine voisine qui était dans l'Union soviétique ensemble avec elle mais qui prend indépendance tant que toute l'autre 14 républiques soviétiques plus la Russie fait 15 ans.